C'est qui ça? Moi je vous dis que la femme c'est un sac à problème. C'est-à-dire que le problème est en train de dormir chez lui à la maison et elles vont tranquillement cogner à sa porte pour lui faire comprendre problème. Tu dors? Pardon, réveille-toi. Viens, je t'amène à la maison. Ma soeur, je dis oh, qu'est-ce qui s'est passé avec ton maquillage? Attends, regardons un peu la photo. Ma soeur, tanti, je dis oh, tu te maquilles dans le noir? C'est quel genre de Satan qui t'inspire quand tu te maquilles? Non mais est-ce que tu t'es vu? Tu ressembles à un dimanche matin, très tôt, vers 19h, à un jardin de sable, à un poulet albinos, hein? La tête là est rouge et le corps est noir. Ma soeur, je dis oh, c'est fond de teint de qui tu es allé prêter? Et tu t'es maquillée non seulement pour ne pas rester à la maison, mais pour sortir en pleine journée. Tu fais comment devant le miroir? Tu te maquilles en dormant? Parce qu'il y a des femmes, lorsqu'elles se maquillent, elles ont deux yeux grandement ouverts, mais elles voient à moitié. Est-ce que ça, c'est catholique? Les filles, est-ce que ça, c'est catholique? Toi, si c'est pas dans ta tête que Satan fait le moonwalk sur des cactus, tu vas te calmer. Et pardon, tanti, ma soeur, va te débabouiller, va m'enlever ce que tu as sur le visage là. Et je dis oh, sortez naturellement. Maquillage n'est pas forcé, sortez naturellement. Niaman. Faut plus faire ça, mon ami. Ce que tu fais, c'est pas bon. A nous faire mes lettres de vie. A nos lèvres de messie. A nous faire souper. Jésus n'aime.